Salut à tous, c'est Damzou. On est parti donc pour la nouvelle mission Atterrissage d'un OVNI. On va leur envoyer comme d'hab nos meilleurs hommes. Sauf que là je pense qu'avec les nouvelles recrues qu'on a eues, je dois pouvoir retrouver des soldats qui sont pas des colonels. Dans le genre tous ces majors là, on va tous les envoyer au combat. Non, pas toi tu restes, toi t'es le soldat chef d'équipe. Annette. Voilà les mecs, on va vous appeler les je sais pas quoi. Parfait, j'ai pas un seul colonel là-dedans. Ça c'est un groupe de fous. Alors comme d'hab, chaque groupe, on passe 10 ans juste pour les équiper. Un scap. En fait j'ai oublié de libérer l'équipement. Parce que si je libère pas l'équipement, ça va être compliqué. Non. Toi, t'es le sapeur. Mais qu'est-ce que tu fous avec un fusil laser? Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le jeu tourne pas très bien des fois. Oui. Mais comment ça se fait? Libérer l'équipement. Ben non, je suis... Il me manque un pistolet plasma, je suis pas d'accord là. Alors l'armure psionique, elle fait combien? Là ça lui fait plus 10 de PV. Par contre là il gagne en défense, en volonté. On va te tester comme ça toi pour voir ce que ça vaut. Et c'est pour toi, donc je peux pas t'avoir un pistolet plasma. Toi il te manque juste un pistolet plasma, c'est ça? Et ben je vais te le trouver dans le pistolet plasma, t'inquiète pas. Commando, ce sera toi. Par contre, je vais te filer des grenades un petit peu plus efficaces. M'en veux pas, mais on va pouvoir se la péter. Donc, ça, il faut que j'aille acheter un pistolet. Ingénierie, production. Ah, tout le pognon que j'ai. Franchement, que j'ai mis pistolet plasmique. Que je dépense. C'est pas bon d'être riche, moi qui vous le dis. Hein. La richesse, ça vous fait faire n'importe quoi. Oui, et c'était toi. On va te donner un vrai pistolet. Voilà, là on peut y aller. Ça a été long de se mettre en place, mais on y arrive toujours. On y est. C'est parti, commencez l'attaque. Notre cible se trouve près de la frontière allemande. On a localisé le site d'atterrissage de l'OVNI dans une zone rurale isolée. On devrait aller sécuriser le site avant que les extraterrestres aient le temps de se regrouper. Allez, allez, je veux cliquer, je veux tuer des aliens, merci. Bon, à nous deux les mecs. Pas à nous deux, enfin... À nous six. Par contre, on est 6, vous êtes une quinzaine, donc à nous 22. Donc on va tester ce petit personnage qui est devenu tout noir. Ici Rapace, on est en position près de la ZA ennemie. Strike One attend vos ordres pour intervenir. Reçu 5 sur 5, Rapace. C'était un atterrissage, pas un crash. Attendez-vous à de la résistance. D'ailleurs, pourquoi c'était pas un crash? Il faisait quoi, mes Raven? Ils foutent rien ou quoi, mes Raven là? On va te planquer là-bas. C'est clair que à côté de mon robot, vous avez tous des déplacements moisis. J'y cours. Pour les prochains combats, je compte sur vous les mecs là, parce que là, vous me décevez. Vous avez que des vitesses de déplacement de... Attends, par contre... T'es une sacrée sprinteuse, enfin,
Non, t'es un sacré sprinter, excuse-moi. Ouais, par contre, t'as vraiment pas de point de vie, là. Je suis pas rassuré de te mettre en première ligne. Mais t'es censé avoir beaucoup de défense. Donc on va regarder, est-ce que la défense est utile. Allez, vigilance, on prend pas de risque. Si jamais quelqu'un se pointe dans la zone, qu'il y en ait un qui puisse tirer. Il y a déjà un sectopode ou un machin chose. Et il y a aussi un commando du futur. Il y a deux commandos du futur. Bon, comment dire les mecs? Je pense que vous avez compris que... C'est parti. 54, 54, 80. Le 80, c'est sur lui, il me convient. Il y a combien? Si on fait ça, c'est un tir quasiment critique obligatoire. Ça fait que tu peux le tuer. Feu! Tiens, mec! Toi, t'as un tir à 29% seulement, c'est nul. Toi, je peux te positionner jusqu'à où? Non, là, t'es vulnérable. Je peux faire une fusillade et je peux en sortir un grâce à une fusillade, sinon. Ça peut être intéressant. Fusillade. Vas-y, go. Au passage, s'il y a des tirs, tu les déclencheras. Objet alien en vue. Merci, ça on l'avait vu. T'as un 70 sur lui, d'accord. Alors par contre, je te fais agir quand dernier recours. 30, 37, 51. Y'a pas mieux? Mon top, c'est 51. Va attendre ta chance, mec. Bien, tu l'as eu. Toi, t'as 29%, c'est ridicule. Ça veut dire qu'il faut que je te fasse avancer. Parce que le seul endroit où t'as une défense... Là-bas... T'aurais une espèce de mini-défense, mais je crois que par contre, t'as plus personne en champ de vision. Ouais, tu vois plus personne. Donc tu vas protéger le groupe. Peut-être... Non, peut-être même pas en plus. Vigilance. Toi, t'as un tir à 33%. Et c'est pas possible, mais vous êtes tous des boulets en fait, c'est ça? Non, toi, t'as un placement qui est correct ici normalement. Et t'as du 33 et du 43. Ça, c'est combien? C'est 100%. C'est un test ça. Cauchemar spécial, rien pour toi. C'est pas mal. Ah, franchement, c'était pas mal du tout. Toi, c'est pareil. Faudrait que tu fasses une petite fusillade. Non, t'es totalement exposé là. Y'a pas un endroit où tu serais pas exposé? D'accord, on est dans la merde. Donc toi, t'as des tirs sur qui? Sur lui à 70%, bah c'est très bien. Comme ça, 55, c'est pas bien du tout. 80, c'est mieux. Sauf que lui, non, ça servait à rien non plus. 38, 70. Parce que lui, autant tu peux le tuer en une seule fois, ça sert à rien de s'amuser autrement. Tu passes en attaque normale, tu lui mets un seul tir et c'est réglé. Voilà, c'était un test. Toi, du coup, la difficulté, c'est que j'ai pas de décor intéressant pour toi. Te positionner là, mais si je te positionne là, après t'as pas un tir intéressant du tout.
Bien, donc ils sont encore 3. Bien, il a raté. Ah, lui il se repositionne. Mais je pense qu'il va tirer sur le même. Il a raté, donc ça va. Parce qu'ils vont pas réussir à le tuer en un tir, donc ça va. Ouh, là par contre, c'est pas bon du tout comme mouvement ce qu'il fait là. Parce que là, ça sent le coup critique. Je sais pas si c'était un coup critique ou pas, mais ça fait mal. Alors, les personnes sur la liste ensuite. Positionne-toi là. T'as un tir à 60 sur lui et à 23 là-bas. Ben, prends le tir à 60, vas-y. Oh, t'es un boulet. Toi, le mec qui est devant toi, t'as que 58. Mais c'est pas possible, mec, il est devant toi. Comment tu fais pour avoir un tir aussi mauvais? Bon, par contre, toi, maintenant, comme on dit, les carottes sont cuites pour toi, mec, je suis désolé. Mais il est grand temps que je t'apprenne la vie. Tu tires comme ça. Et je te dis adieu. Voilà, on en parlera plus tard. Tu verras plus tard, on en rigolera. Toi aussi, tu verras plus tard, on en rigolera. Enfin, toi je sais pas, mais moi je sais que j'en rigolerai. Ah mais en t'as pas 12 points de vie. J'ai pas réfléchi. T'as plus que 12 points de vie, c'est vrai. 54. Sur qui? De toute façon, ça se tente, on a pas le choix. Ah, t'as touché en plus, c'est pas mal. Toi, du coup, changez-moi la vue parce que je vois plus rien. Positionner là, t'as aucune planque. Par contre, positionner là, je pense que t'es censé avoir un champ de vision ici. T'en as un. 58. Bah, son feu, sinon tu le tueras pas. T'as touché l'autre, j'ai vu. toi, bah au pire. 6, 38. Ça ne me convient pas du tout. Et de toute façon, j'ai aucune planque où je suis bien. Si on fait un changement d'arme, j'ai du 26-46. Le 46 c'est lui. Sinon je fais un repli tactique. Moi je suis plus pour un repli tactique, j'avoue. Je vais te planquer là-bas. Et si quelqu'un t'approche, tu tires. Ah bah voilà, quelqu'un t'a approché. Bon, le seul souci c'est qu'il y avait un arbre, ça j'ai. Et j'ai pas pensé que franchement qu'il mettrait un arbre devant toi, je suis désolé. T'as touché? Ah t'as raté, t'es un boulet. Alors il me reste qui dans le coin? Le sniper pour commencer. 54 et 34. Bon bah si on prend le 54. De toute façon au pire je vais me te faire avancer un petit peu. Parce que là sinon t'auras trop de retard pour la suite. Autant que tu te viennes ici. En plus tu prends de la hauteur du coup. Ah par contre t'es pas équipé pour pouvoir tout faire en un tour. D'accord. Tente ta chance, vas-y. Tu l'as touché, bravo, t'es un beau gosse. T'es pas un sniper pour rien. Ça, ça fait 29. Positionné ici, t'as peut-être un truc, voilà.
T'as eu du mal à monter, mec. T'as 29 quand même. Et si je te fais passer avec ça? Ah bah 50, c'est beaucoup mieux. On est des beaux gosses, les mecs. On est des beaux gosses, c'est moi qui vous le dis, hein. Toi, tu vas sprinter là-bas. Allez, vous vous rapprochez du module, on va faire un soin. Donc le robot maintenant, je te positionne ici, je clique et je soigne. Parfait. Ça c'est un sectovide, j'ai aucun doute là-dessus. Non, pas un sectoïde, un sectopode. Les sectoïdes, j'en ai pas peur. Oups, c'était un sprint. Et ben, on a du cul. Ça aurait pu être un sprint catastrophique. Enfin, moi j'ai rien entendu, mais toi t'as tout entendu. C'est pas pour rien que c'est toi le soldat et pas moi. Allez, sprint jusque là-bas. Normalement, mon commando est de nouveau d'attaque. Toi, tu prends position là. Sauf que normalement, j'en ai remarqué que les vaisseaux arrivent à se poser. Hein. Il serait temps que mes vaisseaux interceptent tout le monde. Surtout que mes vulcains se mettent tous en place. Hein. J'ai peut-être 2-3 vulcains qui sont pas placés encore, mais abusez pas. Hein. C'est parti. C'est le dernier qui se pose sans problème. Bah, sprint jusqu'ici, vas-y, fais ta plaisir, mec. Elle la ferme, écoutez. Alors, de base, je me dis pas la ferme. Non, mais oh. Ok, toi t'es magnifiquement bien positionné. Toi t'es un commando, donc ça veut dire que t'as le profil idéal pour être à l'entrée. Toi tu bouges pas, toi de toute façon tu seras en vigilance. Quoique nous on va ruser. On va mettre une mine de proximité de l'autre côté. On peut pas. Donc tu seras en vigilance. Toi c'est pareil, tu pars de 40 millions de kilomètres trop loin. Donc le temps que t'arrives... Le combat sera fini. Je sais pas si t'as... Je crois que t'as tué quelqu'un, donc je t'en veux pas. Je ne dirai simplement que tu as bien bossé. Tu seras félicité et béni. Ou alors tu seras félicité et béniste. Ça fonctionne bien aussi. Y a des aliens à massacrer là-bas ? Alors, t'arrêtes de me poser des questions cons parce que ton avis, on est où là ? Non mais franchement, qui est-ce qui m'a foutu des handicapés pareils ? Ça pose de la question s'il y a des aliens à massacrer alors qu'on est dans un vaisseau alien. Non, c'est une nouvelle boîte de nuit, t'inquiète pas. Ah! Eh ben, au moins, on a buté le sectoïde, ça c'est sûr. Alors, toi, il paraît que t'es venu voir si on était là. Est-ce que t'es rassuré? Est-ce que grâce à ça, je peux te dire qu'on est là? Je comprends ton envie de vouloir te suicider à ce point-là. Hein. Je crois que c'est la première fois que je vois l'ordinateur qui me fonce dessus comme ça. Je dois vous remercier parce que déjà, vous m'avez fait économiser du temps. Au lieu de faire une entrée en force, j'ai fait une défense en force. Très brutale la défense. Vu que c'est un petit peu le sectoïde qui a tout pris.
Toi tu fais la deuxième ligne de défense, c'est parfait. Toi tu vas faire bah, pareil, encore une fois, une tout ce côté là. Parfait, toi tu vas donc te positionner ici. Par contre tu changes d'arme. Il me semblait que c'était un sprint que je t'avais fait faire, mais c'est pas grave. Attention. J'ai rien vu. Alors, si tu voulais me montrer quelque chose, il va falloir me le remontrer un autre jour. Ouverture de porte. Bon sang, c'était quoi? Je sais pas. Parce que là, j'en suis à ouverture de porte seulement. Alors, Ah, c'est Mectoïde, ça. Et ça, c'est... Gros cerveau. Bon, ben, gros cerveau, comment dire, tu me le sors. Je crois qu'il s'est un peu mal placé, mais on lui en veut pas. Ok, il est ici, lui. Derrière, bah, il faut toi. Tu me fais une fusillade et c'est réglé, Tariq. Vas-y Tariq, je te fais confiance. Ah, en plus il y avait une vigilance. Bah heureusement que t'es fort Tariq. Ah non, c'est Fatima Tariq, pardon, excuse-moi. Heureusement, t'es trop forte. Attention, l'ennemi rapide. Ah bah oui, t'as fait un trou dans le mur. Ah ça c'est malin. D'accord. Ok. Vous avez fait planter le jeu? L'ordinateur n'a pas le droit d'exploser ici, c'est ça? En fait, l'attaque mentale était sur moi, c'est ça? En fait, il y a une action qui ne s'enclenche pas, qui doit s'enclencher. Allez! Allez, tu peux l'emmener. Ah bah voilà enfin. D'accord, c'était ça en fait. Donc l'action a été longue à arriver, mais elle a fini par arriver. Feu sur lui. Bon, quand tu commences avec un 9 et un 10, c'est fini pour toi, je suis désolé. Ensuite, il me faut le suivant. Oui, mon bourrin numéro 2. Voilà, il est là, mon bourrin numéro 2. Toi, t'as beaucoup de points de vie, donc je suis sûr que tu seras parfait pour bourrin numéro 2. Alors, comment dire, bourrin numéro 2, c'est qui? C'est lui. Il va te faire la même chose qu'à l'autre. Donc, il va t'apprendre... Oh, par contre, t'as beaucoup d'esquive, toi. Ah ça je connaissais pas ça. Alors franchement mec tu m'as impressionné. Je connaissais pas du tout ce que t'as fait. J'y vais. Ça m'a l'air redoutable. Feu. Et te tirer dans le dos, tu t'attendais à celle-là?
T'as pas le droit de tirer un sniper en déplaçant, c'est ça toi? Ouais, on va te trouver quelque chose plus tard. Ce problème c'est que autant te mettre à un point de vie autrement. Grenade. Je peux peut-être négocier un petit truc un peu plus utile à la grenade. Voilà, de la chance, on fera péter l'ordinateur et ça va blesser celui derrière. Ça veut dire qu'on pète ou qu'on pète pas l'ordinateur, celui du fond il s'en fout. Bon, de toute façon t'as tous tes points de vie, tu crains rien. Je vais te placer là. Et ici tu me fais un super tir pour me buter celui-là définitivement. 50 seulement. T'as quand même touché, c'est bien. Ah ça je savais pas, eux quand ils meurent ils explosent. C'est bon à savoir ça. T'as raté. Bravo mec. Alors là franchement tu m'as impressionné. Le fait que tu réussisses à comprendre que tu te faisais tirer dessus. Si je comprends bien, ça c'est un truc qui est censé faire mal. En fait c'est 5 de dégâts assurés ça, d'accord. Toi, faut que je trouve une position sympa. T'as 63, on peut faire mieux je pense. Allez, prends le tir à 63 directement d'ici. Ok, c'est terminé. Comme prévu. Et ben, tout se passe très bien pour l'instant. Le jeu m'a juste fait très très peur parce que j'ai cru qu'il avait planté. Mais sinon tout va bien. Impressionnant. Nos soldats ont pu obtenir davantage de mêlées sans encombre. Bravo. Ben voilà, toi bienvenue au pays des colonels. Tu es l'homme qui nous manquait. Il se peut que nous ayons enfin découvert pourquoi Annette était retenue prisonnière. Je sais pas. Ok. Transfert d'avion terminé. Hangar, liste des avions, tac 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 tac. Le démon, modifié. Lance à fusion. Du coup, toi, pareil, supprimé. Afrique, un démon. Amérique du Nord, un démon. Il n'y a qu'en Amérique du Sud où il n'est pas temporairement. Et ben voilà, c'est bon. Et maintenant, il me propose la mission d'extraction. Si j'ai bien compris. Et ben. Je vais préparer mon commando. Comme ça, demain, on passera directement à l'action. Alors, c'est salle de contrôle. Extraction de l'agent. Envoyer. Lancer la mission. Nous comptons sur vous pour régler ce problème. Toi, t'es un colonel, donc tu peux partir d'ici. Tombe bien, t'es remplacé par Erika. Tout de suite je libère l'équipement, ça fait un sapeur en plus. Prends ça, ça. Non. Ça me fait 3 sapeurs dans le groupe, c'est ça? Ouais, donc c'est pas grave, tu seras pas quelqu'un qui soignera. Tu vas être un sapeur bourrin, c'est tout. Et ben voilà, le groupe est fait. Donc ce groupe là partira demain. Sur ce, ciao à tous, bye bye.